Coucou public! Comment ça va? Bienvenue à toi YouTube. Ça c'est déjà fait tout à l'heure, mais c'est pas grave. J'espère que t'as la pêche et la patate. Bienvenue à cette soirée consacrée à Until Dawn, un jeu qui fait peur qu'aux fiottes. Et moi je suis pas une fiotte, j'ai pas peur. Alors attendez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais switcher de l'écran. Et voilà. Oh, hey! Je vous ai pas dit? Quand vous likez la chaîne, ça fait ça. Franchement, c'est génial. Hein? Et pensez à le faire parce que c'est ça. Rien d'avoir peur, la demoiselle. Tu es bonne, dis donc. Tu es bonne. Tu mangerais un petit peu le. Pardon, c'est dérapé. Ces dialogues originaux. C'est quoi les dialogues originaux? Vous jouez les dialogues originaux en anglais. Non, le français, c'est bien. Statistiques globales, on s'en fout des statistiques, c'est commande. Ouh là là, standard. Détection des mouvements. Xako, soit. Choisissez le mode de commande où vous pouvez profiter de préférence à n'importe quel moment. Détection des mouvements. Utilisez la détection des mouvements pour faire votre choix et réagir, interagir et combattre. Ah! Ça va être drôle. Dave! Viens ici immédiatement! Dave! Dave! Ben, y a trop de lumière pour avoir peur! Même pour une flotte comme moi! Est-ce que je peux éteindre le soleil? Non, c'est vrai, tu peux pas. Tu peux au moins éteindre les deux éclairages, je ne sais pas, en façon créative. Voyons voir ce que ça donne. Merci, William le planciste. Ah, c'est plus sombre là. Là, j'ai plus. Là, j'ai les miquettes là. Ah ouais. J'ai peur maintenant! J'ai peur, t'en regardes, je bouge ma manette à droite, à gauche. Ah, j'ai peur! Ah. Confirmé. Et on peut pas inverser la manette? Eh, ça suffit maintenant. C'est mieux là au niveau de l'éclairage. Bon, Dave, il y a encore trop de luminosité. Donc, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités, Dave. Oui, Tu veux savoir la première possibilité? oui. Première possi. C'est pas le bon, imbécile abruti chronique congé. Oui, c'est le bon. Eh ben alors, on parle dedans, mais il marche. Allô? Oh, c'est faible. Ouais, bah voilà. Oui. C'est vrai que ça marche pas. Oh, oh. C'est toi qui es nul. Ah, si, c'est bon. Voilà. Oui, on m'entend. Ah. Allô, allô? Oui. Première possibilité. Oui. Tu montes une expédition avec des astronautes super entraînés et plusieurs sociétés qui te montent une super fusée de la mort. Et tu vas envoyer un matériau inconnu alors fait à partir de matière noire qui va absorber toute la lumière faite par le soleil et qui fera mourir la Terre, mais qui me permettra de pouvoir faire l'étude d'art dans les conditions optimales dans un noir absolu. Ou alors, possibilité numéro 2, tu mets des rideaux! Ou alors, possibilité numéro 3, t'attends qu'il fasse nuit. Non, les rideaux, c'est mieux! Tu mets des rideaux! Tu peux Tu faire es un tout. régisseur, tu dois trouver des Alors, solutions! il n'y a pas de Bouge-moi rideau. ça! Il n'y Bouge! a pas de rideau. Bouge la lumière comme si on était des squatteurs de la gaming house! Bouge-moi ces trous! Je veux me sentir dans le noir! Bouge les trous! Dave, bouge les trous! Va boucher les trous, bordel! J'ai pas assez peur! Mais il n'y a pas de volet en fait, non plus. Il n'y a pas de volet, il n'y a pas de Si, il y a des rideau. volets, je crois. Non, il n'y a pas de volet. Je te dis qu'il y a des volets! Eh ben tu mets des rideaux, des trucs, n'importe quoi! Ma bite! Ça... Non, ça marchera pas, elle est trop grosse, ça va trop que... Bon bref, mets des draps. Fais des choses. Bon. J'ai peur. On pourrait jouer à Hearthstone en attendant la nuit! Hein? C'est une bonne idée ça! Faudrait faire une pause pub en attendant la nuit! Ça, c'est une bonne idée, ça fait longtemps, hein, 18h, 18... c'est l'heure de la pub d'ailleurs. On va faire une pause pub en attendant la nuit, à tout de suite. Allez, j'ai gagné du temps, je vous ai niqué pendant tout ce temps. Moi, je ferai pas un petit down, je vous l'ai mis profond, à plus les copains. Vive la pub, à tout de suite. Après, je sais pas ce que je vais trouver comme excuse, mais c'est pas grave. À tout de suite!
Bon, mais nous voici de retour en devant une tilt-down. Longue nuit qui nous attend, car le soleil vient déjà de tomber, tel un hiver en nocturne et malveillant. J'ai donc fait un café. Prenez pas les cafés. C'est bon le café pour rester éveillé même pendant qu'il fait peur. Et pendant que je vous attendais, je me disais quand même, hein. Elle est bonne, mais elle louche, hein. T'es bonne, mais tu louches. Alors, je sais pas ce qu'elle regarde. Tu regardes une grosse... Hein ? C'est pour ça que tu louches un peu, non, chérie ? Chérie, tu louches ? Regarde, louche un petit peu, quand même. Vous prenez pas le café ? C'est bon, le café ? Hey, Darkfall, si tu trouves que ça va pas assez vite, t'as qu'à aller t'acheter le jeu. Tu trouves pas que ça fait peur ? Elle loucha, Bob. C'est toi qui la dirige à la manette. C'est vrai ? Ah ! Nom de Dieu ! Nom de Dieu ! C'est génial ! Oh, je kiffe ce truc ! Allez, vas-y ! Regarde vers le bas. Vers le bas, regarde vers le bas, salope ! Tu es au sort, regarde vers le bas, hein ! Oh, je... oh, c'est trop beau. Oh, le mec qui a fait ça, c'est un génie. J'adore ça. Oh, c'est e-sport, ça. Alors, ça... Alors, je demande à être en main sur la page Minimum TV. On me dit, il y a le LCS. Attends. Je vais appeler de suite. Ah, mon Skype ne répond plus. Hey, regarde. Vous l'aurez compris, on peut faire ça toute la journée. Mais c'est pas ça que vous attendez. Putain, mon Skype, il a planté. C'est insultant pour l'histoire des Skype. Petit café ? Prenez pas un petit café après avoir dansé à la discothèque ? Vous avez tort. Mon café a planté, c'est un tolétra. Bon. Oh putain de conne de toi ! Café Bob le Gob. Oh là là, le PC est un rad. Bon, café à plein de thé. Je sais pas si vous m'entendez encore. Hein. Oh là 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 là. Voilà. Voilà. Attendez. Attends. Heureusement, je suis un génie. Alors, maintenant,
Voilà. C'est bon, j'ai tué Skip. Je relance Skip. Non, parce que je demande à être mis en main page du site Millennium, tu vois, parce que c'est une petite dent, le jeu qui fait peur. Qu'est-ce que me répond au gars? Il y a les LCS, donc là. Réponds. Réponds, please. Alors, il est occupé. Je vais donc utiliser mon arme spéciale dont Dan vous a déjà parlé. C'est méga important. Celle-là, c'est l'arme spéciale. Tu vois, les gens savent que quand Bob le Gob dit « Tu n'as pas un peu de café ? C'est bon le café ?» Allô ? Allô, oui, bonjour, monsieur le directeur adjoint des TV. Ouais. Nous sommes en live devant 1000 personnes. Ouais. Moi et mes chers amis, nous voulons savoir pourquoi un live exceptionnel sur Until Dawn, je sortis sur PS4, n'est-ce pas, ne pourrait pas être en main page. Parce que c'est nul à chier. Ah, alors c'est pas parce qu'il y a les LCS. Non. Alors, sur le principe, c'est parce qu'il y a les LCS. Alors pourquoi est-ce que ça serait pas mieux que les LCS? Dans les faits, c'est parce que je trouve ça nul à chier. En fait. Parce que je pourrais faire l'effort, en vrai, si j'avais envie, tu vois. Je me dis, les dimanches, on fait un petit effort. Mais la vraie raison enfouie, c'est que j'ai envie de t'emmerder au plus haut point et que tu fasses zéro stat et qu'au final, on soit obligé de te licencier. Ça serait mon plus grand des plaisirs. Très bien. Eh ben, sache que lorsque je monte à... Vous le savez peut-être, je monte à Paris au bureau. Vendredi matin... Vendredi après-midi, tu auras un accident dans l'ascenseur. Quelqu'un t'aura poussé, t'aura glissé. Très bien. Et très tu bien. Vas te faire presser dans l'ascenseur quand tu vas redescendre en couinant. Mais comment tu vas faire? Pourquoi faire? Pour monter dans l'ascenseur? C'est une blague oui. Parce que je suis gros? Exactement. C'est une blague parce que je suis con? C'est ce genre de blague. Non, c'est une blague parce que j'ai pas vu les ascenseurs à Webedia encore, mais il y a un poids limite en fait. Enfin, comme tous les ascenseurs. Ok, est-ce que ta mère est rentrée dedans? Si oui, on peut mettre deux Bob le Gob dedans. Je sais pas si ma mère est rentrée. Alors merde, mets-moi en main page en fait, tes arguments sont bidons. On s'en fout des LCS. Bob, tu es en main page. Mais non, on voit du Counter Strike avec. C'est du Call of Duty déjà. Ah non, c'est Milicia. Mais c'est Milicia, moi. Oh, je lui chie dans la main. Milicia. Mais regarde comme il est beau, ce Mario. En fait. Ah putain. Je suis avec toi comme une petite marionnette. Tu es ma chose. Je suis ta chose, je suis ta petite salope. Le public te dit bonjour. Public, dites bonjour à Ogar, l'homme le plus intelligent de son village. Mais croyez-moi, la sélection était dure. Son village lillois, là où habitent les seuls hommes à quatre bras, reconnu par les temps français comme n'étant pas handicapé, mais plutôt une évolution vers laquelle tout le monde devait tendre en faisant l'amour avec sa mère et sa sœur. Voilà. Exactement, tout à fait. Bon, alors, oui. C'est fait ? Oui, c'est fait. Attends, je regarde si tu joues avec moi comme si je te passais. Non, j'ai mis... Vous mis pouvez... Il y a toujours Milicia, m'enculé. J'ai mis Blatty. Non, mais c'est le même moment. Et puis Blatty. Un petit peu. T'as bien raison de mettre Blatty, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Dis donc, ton petit marathon, là, Diablo. Ouais. On avait dit qu'on faisait plus de Diablo. Mais à quel moment j'ai fait du Diablo? Ouais, mais juste, c'est... comment ça, à quel moment t'as fait du Diablo? Pourquoi t'as pas fait de Diablo, déjà? Mais c'est Blatty qui le fait, parce que Blatty, il est parangon 500, donc tant qu'à faire... Moi, je ferais du Diablo, mais cacmage, tu vois. Parce qu'on en a en parlé, moi, je fais du cacmage. Hein, donc là, tu te fous de ma gueule, parce que maintenant, c'est marmotte. Donc en fait, tu sais pas utiliser le produit, quoi. Il est mort de rire, en plus, j'ai l'enculé. T'inquiète pas. Si, je gère. Je gère très bien. Tu te régales, là. Hein. Alors, je vais remettre un petit coup de TVLOL, là. Je vais faire une rotation, t'inquiète pas, je vais faire une rotation. Toutes les 5 minutes, je mets une TV différente. Bon, bah c'est parti. Hein. C'est pas tout ça, mais j'ai Nagui qui râle, je dois y aller. Tu as qui? J'ai Nagui qui râle. Tu connais pas Nagui? Nagui, il n'y a jamais rien qui va pour lui. Il est jamais content. Il passe jamais un bon moment. Il est jamais heureux. Bah, c'est un Français. Tiens. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Il est pas content. T'es pas content, Nagui? Nagui? Ah, il y a quelqu'un qui s'abonne à ta chaîne, là. Ah, il n'y en a pas qu'un qui s'abonne. Et puis, c'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne.
ta chaîne Millennium. Oui, 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 tout à fait. Combien il y a de... Combien? Mais nous sommes 27 000. 27 000, okay. Voilà. 27 000 personnes à kiffer cette chaîne, comme 27 000 consanguins pour aimer ta mère. Oh, j'ai fait un misplay. Oui, parce que non, rigole, ma blague, stone, là, en fait. Elle est bonne, en fait. Non, bah, c'est pas tout ça, mais... Bah, tu vas travailler, en fait. Ah non, mais moi, je... Si, si. Oh si. Y'a LOL maintenant, tu te fous de ma gueule, jeune. Tu vois, tu m'énerves. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais avoir peur. J'essaye de faire tout ce qui est possible pour pas avoir peur. Bon, j'y vais, je vais faire un jeu qui fait peur. Eh, tu sais quoi? Dans ce jeu, il y a une femme, je la dirige en bougeant ma manette comme ça. Ouais. Eh, t'imagines un peu si tu pouvais faire pareil avec ta... Hein? Comme ça, regardez. Avec mon pénis. Eh, ouais, comme ça. Eh, chérie, tu aimes ça, hein? Eh, hey, hey, regarde, hey, ça te plaît, hein? Tiens, allez, hop là, allez, viens par là, viens. Viens par là. Du coup, mais peut-être pas en main page maintenant, tout de suite, quoi. Tiens, viens là, viens goûter, viens. Viens, papa, viens. Oh, parfait, une femme sur télécommande, mon idéal. Hein, regarde, me regarde en plus, hein. T'aimes ça, regardez Bubblegum, hein, cochonne. Qu'est-ce que tu fais, putain. Mais regarde, je la bouge en bougeant la manette. C'est pas possible. Tiens, t'es ma petite chienne, tu fais ce que je veux, hein. Regarde, et là, elle dit... Oui, Bubblegum, j'aime tout ce que tu me dis. Oh, oui. Oh, tu es mon nounours d'amour. J'aimerais trop que tu prennes sauvagement dans ce couloir tout sombre et tout glauque. Oh, oui. Et est-ce que je devrais te payer? Oh, non. Attends, comment je fais? Non, mais ça marche plus. Fais non, bordel de merde. Putain, elle est juive, elle fait oui quand je dis je vais la payer. C'est possible. en 3 minutes, t'as concentré tout. Tout ce que je te peux pas faire. Je suis perdu. Oh, je suis trop marrant. Je suis mon meilleur public. Rien que sur l'écran de présentation, j'en ferai des heures et qu'avec ça. Non, regarde. Non, oh, il est je joli, sais. Le jeu là. Mais grave. Mais regarde le truc le plus sympa, c'est ça quoi. Oh, Bubblegum. Ah oui. Oh là là, qu'est-ce que j'ai content d'être avec toi aujourd'hui. Je peux lui poser plein de questions, regarde. Est-ce que tu aimes la vaisselle? Oh oui, j'adore ça. Est-ce que tu aimes faire le ménage? Tu as vu? Regarde. Est-ce que tu veux venir faire des jeux vidéo? Oh non, j'y suis trop bête pour ça. Tout le monde sait que les filles n'ont pas les gènes suffisants pour jouer aux jeux vidéo. Elle est géniale, non? Oui, tout à fait. Hey, une femme avec une manette de PS4 dans les fesses. Parfait, j'adore ça. Bon, c'est pas tout ça, je vais te laisser au gars. C'est parfait. Et attends, deux secondes. Je vérifie un truc. Toi, tu prends vraiment les gens pour des... Ah non, ça va. Allez, bisous. Donc tout le monde a vu ma bite à l'écran, c'est parfait, nickel. Pourvu que Cédric Page ne soit pas passé par là. Mais t'inquiète pas. Ah bon, alors ça va. Eh, hey, regarde. Eh, hey, regardez par exemple, ce serait crème fraîche. Est-ce que tu aimes être sur le chat? Oh non, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu préfères? Nettoyer des endroits glauques et sales avec mon objet préféré. La serpillière et... L'éponge. J'adore ce jeu, putain. Reprendre. Nouvelle histoire, malheureux. Continuer une nouvelle histoire et face à la progression de l'actuel. Oui. L'effet papillon. Le battement d'aile. Oh là là, attends, vas-y, calme-se. Oh là, aïe aïe. Aïe aïe aïe, des oreilles. Aïe aïe aïe. Ah là, mieux. Mieux, non? Le battement d'une minuscule aile de papillon à Kyoto peut faire un tsunami en Provence. Oh mon dieu, vos actions décideront de la manière dont l'histoire va se dérouler. Oh putain, fallait pas dire ça, Bubblegum. Oh putain. Bon, attendez, on va enlever le son du follow là pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez toujours follow, mais j'enlève juste le son. Je rends les mignons muets pour l'action. Profitez-en, hein, les derniers minons à être bavards, hein, c'est maintenant. Maintenant, ils sont silencieux. Choisissez scrupuleusement vos actions, monsieur. Tu penses bien que... Oh putain, c'est glauque à son bras, c'est comme... Ah, on dirait la maison de ma maman. Ah, une cuillère. Allez hop, ça sert à rien.
Petit pépito. Moi j'ai pas les pépitos Novaki nous a donné. Quelque chose me dit que cet homme ne vient pas que pour nous faire des tacos. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hey, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Je propose qu'on sépare tous dans cette maison qu'on connaît pas et qu'on fasse des groupes de 1. Ah mon dieu, je suis un des groupes de 1. C'est trop malin, j'ai un nage caché. C'est trop rigolo, cachons-nous. Mike. Faut que je monte le son. Mike. C'est Anna. Salut Anna. C'est mieux là? Vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Eh ben là, t'es pas seul. Il y a un mec avec une... Josh? Josh, il a l'air défoncé, quoi. Josh? Ça m'a joué? Ah, regardez comment je roule bien du cul. Ah, je sais pas où aller. Aller réveiller les taxanos là. Hé hey, petit tacticiel, bougez la manette pour regarder autour de vous. Là-bas! J'ai vu un truc qui brille, nom de Zeus! X. Oh mon dieu, une vieille note au milieu de Doritos! C'était donc ça, didacticiel, votre R2 enfoncé pour regarder! Et oui, R2. Ah mon dieu, didacticiel, faire pivoter! Hein? You're looking so damn natural. Très, t'es trop sexy avec ce haut. Mais je parie que tu l'as encore plus sans nous. Viens dans la chambre d'amis à 2h du mat. Mike XXX. Fifi. Fifi. D'accord. Oh putain. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Ah ouais. C'est grave quoi. Comment trop beaucoup de merdier. Je vais regarder de partout. Allez, regarde de partout. Allez, vas-y, tenez ton regard. Bon, ben voilà, bien vu de partout. Hein, c'était cool. Hein. Je vais appuyer sur X à côté de lui. C'est un jeu qui doit se faire avec un esprit sérieux. Hein. C'était pas sérieux. Allez, regarde de partout, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Putain, merde, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que... Reprendre. Très bien, tout va bien, tout s'est bien passé, le jeu est stable, c'est déjà ça. You! Il y a quel... Oh, j'ai un petit boule là. Ah, je m'excite. Oh, je vais me violer dans les bois. Bon, bah voilà, on monte à l'étage. Hein. Oh, le feu, il est beau. Eh, vous avez vu mon petit boule, comment il reflète bien la lumière du feu. C'est bon. Et en plus, je le sais, c'est qu'il faut, et moi, une double cochonne. C'est double cochonne. Là, je vais monter à l'étage. Puis putain. Oh là, quelque chose qui brille dans les yeux. C'est une porte qui est fermée. Magnifique. Très bien. Hein, attends, on me dit de faire un truc. Je vais pas réessayer. Il fallait voir le mec bourré. Bob, oui Bob, qu'est-ce qui se passe? Oui Bionix, qu'est-ce qui se passe? Attends, il y a des plus gros boules Bob. Ah, on aime bien quand c'est gros les boules. Eh Régis, faudrait te réveiller peut-être. Be wake up. Ah,
fait deux fois que je vois ça. Je monte à l'étage. Là, il y en a un truc, je le sens. Ça va, c'est fermé. Tu as une scène X en... Ouais ! Boule ! Mais on s'en fout, mais monte, salope, t'as du cul ! Comment je fais pour monter à l'étage ? Elle veut pas monter à l'étage. La porte, comment ça la porte ? Mais quoi la porte ? Ça y est qu'elle est fermée, hein ! La porte est fermée. Personne n'est pour m'aider, là, et... Deux abrutis qui dorment. Pour le moment, j'ai pas peur. Je vais aller là-bas. Là-bas, il y a une porte aussi. Oh putain! J'ai vu ton mot. Oh! Si ça commence comme ça, c'est pas bon, hein? D'où t'apparaît, toi? Oh putain, mais t'as vraiment l'air d'abruti, peut-être toi. On devrait commencer à... Tu sais, exploiter. Ah. Et voir où ça nous mène. Bah ça nous mènera à ce que t'es le kiki tout dur et qu'il y a la foufoune qui fasse la limace. Oh ouais. Boop. Elle enlève son haut. Boop. Putain, c'est Boop. Attendez. Matt. Boop. Quoi? Boop. Boop. Désolé, Anna. Boop. Non, c'est non, mais qu'est-ce que... Oh. T'en mort! Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez? Putain, mais t'as tout gâché! Oh, pourquoi elle arrive en plein milieu? On allait voir des tétés! Oh là là! On allait voir des tétés! On allait voir des vrais tétés! Réveillez Régis! C'est bon, j'ai compris! Rejoindre! C'est bon! Réveille-toi! Réveille-toi! Josh, réveille-toi! Josh. Mais en l'air! Réveille-toi! Mais putain, il est bourré que c'est pas permis! Allez, à plus! Il y a quelqu'un dehors. Ah, je suis tout seul. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que quoi? Bravo! Anna! Toi, elle est partie toute nue avec ses gros boobs, ça, mais quel gâchis! C'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess, c'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Ouais, peut-être ça serait pas tu mal sais, parce que... Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. C'est pas vrai. Oh merde. Je sens que... Oula, oula, 4. Allez. Oh putain, c'est les QTE, je suis tellement mort. Rapide. 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 Je gère. Je gère, vas-y, cours, salope! Cours pour ta vie, cours pour ton cul! Ah! Ah, mais fais quelque chose! Suivre en bas! Vers la gauche, à gauche! À droite, là où il y a du bruit! Putain, Anna! Mais t'es où? À gauche! À gauche! Là-bas, allez, vas-y! T'es comment on fait? Suivre les pas, c'est logique. Non, mais pourquoi je respire comme une gorette? Qu'est-ce qui se passe? Un mec comme donne de la ventoline. Ah, je déteste ces QTE. Non, en fait, c'est pas ça. J'adore les QTE, c'est les QTE qui me détestent. Est-ce que le didacticiel utilisait le pavé tactile? D'accord. Et pour faire quoi? Ah, j'éclaire. Anna Barbera, où tu es? Alors, je vais diriger le fusion de la lumière en bougeant la manette. Oh putain, on est tellement foutu. Oh, allez, oh, côte de ta mère, oh, regarde comme j'éclaire bien dans le noir. T'es... Ouais, oh là, putain, il y a un arbre, qu'est-ce qu'il a mis là? C'est la nature, bubblegum. Elle est forte, cette nature, elle a mis des arbres là où j'allais passer. Mais elle les fait pousser pendant des années, mais comment est-ce qu'elle a su? Elle est trop maligne, parce que la nature est plus forte que tout. La nature est... Ah! Non, ça va, Sander, tout va bien. Tacticiel, appuyez sur un de la touche pour marcher plus vite. C'est une bonne idée, hein, parce que sinon, demain, on y est encore. Je marche plus vite, là. Ouais. Ouais. Oh, ah. Donc... Ah, merde.
je savais que si je jouais à la con, ça me fait peur, quoi. Ouais, grave, pas du tout. Hein. Je peux récupérer ma manette, s'il te plaît. Je me sens humilié. Non, je me sens humilié. Je me sens souillé. Comme une femme qui se serait fait choper dans une tournante. Et là, du coup, je sais pas ce que c'est, ça. Tribu pensait que les papillons transportaient les rêves. J'en ai à foutre. T'es là ? Pas peur. J'ai trouvé un indice, là. Oh merde, c'est une chaussure. R2. R2. C'est un totem. Oula, oula, oula. Ah bah, je crois qu'elle est morte. Totem de la mort. R1. Totem de la mort. Très bien. Alors, safe avec comme endroit. On est avec ma lampe. Mais ta gueule, putain, tu vas attirer le méchant. Bob, les totems, c'est super important. T'es mort ! Stop ! Alors que je passe à côté de la moitié du jeu et qu'après on dise Bob, c'est un noob. Ok. Mesdames et messieurs, nous allons écouter les conseils de Shoshiroro. Shoshiroro. Attends deux secondes. Hé ! J'essaye de me mettre dans une ambiance où j'ai peur. Alors ferme ta gueule. J'ai pas peur. Shoshiroro, c'est quoi les totems ? Que quelqu'un puisse m'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu reviens ? Non, j'ai pas peur. Shoshiroro ! Signe Shoshiro. Vas-y, explique l'histoire des totems, sans déconner. Moi, je prends un café pendant que tu expliques. Expliquez-moi les totems. Bob, ça capte ta voix par moment aussi. Bob, les totems te préviennent des choix qui peuvent te faire mourir. Ah ouais, ça peut être important, ça. T'es rien à péter, moi, des choix qui peuvent me faire mourir. Je te vois, Zer. Tout le monde te voit. J'ai une caméra et un retour vidéo, abruti. Bon, ok, d'accord. Alors, je vous signale que ça va être sérieux dans le nouveau studio. Et c'est moi le chef, ok ? C'est quoi ce trop crédible ? On l'a refait ! C'est qui le chef ? Ok, d'accord. Ça fait trop chier, quoi. Alors, oui. Alors, quoi d'autre, sinon ? Bob, dans 10 ans d'un pas de batterie de sa manette, tu vas faire autre chose et esquiver le tilt-down. Bah non, j'en ai une autre. Enfin, je crois. Elle est où, la deuxième manette ? Zer ! Retrouve la deuxième manette. Merci Zer, tu as été efficace comme d'habitude. Je vais la mettre à recharger. Ouais, alors passer derrière et faire peur, ça marche une fois et c'est rigolo une fois. Après, je distribue des mandales. Ok ? Regarde la taille de ma main par rapport à la paint. Comme ça, ça vous donne une idée. Ça s'appelle des pattes d'ours. Tu veux ta patte d'ours dans ta gueule ? Non mais... Les totems te montrent aussi les moments où tu peux être en danger. Et quand tu es en opportunité, Bob, le chef, meilleur blague. Bon, ok, d'accord, on s'en fout. Totem, ça sert à rien, c'est de la merde. Reprends. Youhou, il y a quelqu'un dans cette forêt. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui brûle ? Merde, c'était quoi ? C'est du feu. Je peux marcher un peu plus vite ou. Est-ce que je peux courir, bordel de merde ? On peut courir. Anna. Ah. Anna. Anna. Anna, ma mini bonasse. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Moi qui voulais meurtrer mes poufs à un homme. Ah mon Dieu, mais nous sommes deux frères jeunes filles dans les bois. Mais nous sommes complètement connes. Nous avons été connes toutes les deux. Viens, courons bêtement. Ok, ça sent buté de merde. Ah, merde, mon blouson tout neuf. Elle est conne.
de mes guillemets, mon bouchon. Oh non, j'ai perdu mon téléphone portable avec tous mes contacts. Mais non, mais comment je vais faire? Je m'en fiche, j'ai un arbre vide de synchroniser. Bah là, va falloir sauter, allez chérie, hein, y'a pas trop d'autre choix. Non. Non. Mais quelle est cette créature horrible? Tiens de la main, c'est la merde. Non. Ah ouais. Ah bah voilà. Tiens bon. C'est un mec qui a un color slam. C'est chaud. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais donne-lui la main. Allez, à plus. Mais lâche-la. C'est trop rigolo. Elle s'est éclaté le dos. Oh, je kiffe. Attends, c'est laquelle qui s'est éclaté le dos, la mienne ou la sienne? Ah, je crois qu'on est morts toutes les deux. Bon alors ça c'était pas rigolo en fait. Mais au final, parce que moi je comptais lâcher l'autre et qu'elle crève. Alors là, il y a un truc que j'ai pas suivi. Y a quoi? Ça va? Ça me semblait une bonne idée de lâcher. Ah. Il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Ah mon Dieu, mais c'est un acteur connu. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Ah bon? C'est vrai? Le passé est hors de notre portée. Ah, c'est emmerdant. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le mais choix. Alors ça veut dire que toutes cette sodomie que j'ai pratiquée sur un lapin, docteur, des portes sur l'avenir. C'est irrémédiable. Essayez le petit de lapin de ma fille est donc traumatisé à vie. Chacun de vos et choix influe sur votre destin maintenant. Et le destin de vos proches. Vous la pépito, docteur. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois, ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Il a l'air malsain, non? Oh si, il a l'air malsain. Bon. Le chat, il a dit que t'avais l'air malsain. C'est simple. On a un petit peu de café, docteur, c'est bon le café? Et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Très bien. Et ah, c'est le test de Rorschach, c'est trop fort à ça. Que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Ah, bah, il n'y a pas de problème, je vais être franc. Epit ! C'est original, c'est rigolo, c'est pas vulgaire. R2. Ma femme à poil qui me demande de la tripoter. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. J'ai eu une DME, j'ai eu envie de grimper de la joie, c'est parce que ça correspond. C'est bien. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie? Alors franchement, les épis de maïs, ça m'excite. Hein. Ah. Oh la vache, il a un stylo Mont Blanc. Ça, ça gagne bien, psy. C'est intéressant. Alors, aimeriez-vous passer une semaine entière ici, tout seul? Non, mais ça va pas, non, on va s'emmerder. Et pourquoi ça? Bah, parce qu'on va se faire chier. Je me sentirais. J'aurais peur. Cette image comporte-t-elle quelque chose d'effrayant? Bah, par ta gueule, y'a pas grand-chose de. Je sais pas. Je sais pas. Ah! Bien. Alors ça, c'est très intéressant. J'ai bien peur que la session se termine bientôt. Ah bon? Mais j'aimerais que vous réfléchissiez. À votre avis, que manque-t-il à cette image? Il a l'air un peu effrayant, non, quand même. Hein? Votre peur. Il a pas l'air ça mentalement, il y a pas que moi qui suis déjanté, quand même. La prochaine fois. Il fout les miquettes, Régis, hein? Au revoir, à plus, hein. N'oublie pas, ça me fait plaisir que tu peux être avec toi directement. Ah, vous faites un café, docteur, c'est bon le café, vous faites pas du café, vous aussi? Monsieur Méloman, en plus, je peux y aller? Comment aller? Sony Computer Entertainment présente...
the best pumper freak ever. And the best pumper freak machine by Supermassive Game. C'est eux qui font les, c'est qui font les tuyaux de les pumper freak. Sur notre PS4 pumper freak only. Until down. Pensez à acheter ce jeu afin de sauver Sony. Parce que sinon, bah Sony, il pourrait faire faillite. Et plein de petits japonais pourraient pleurer. Vive Sony. Hayden Panettiere. Inconnu au bataillon. Si c'est pas connu par Bob, c'est pas connu. Peter Stormer. Inconnu au bataillon aussi. Brett Dalton et Rami McCulloch. Inconnu au, au bataillon aussi. Galatus Griffin et Noah de Fleech. Inconnu au bataillon. Par contre, le cafard, j'en ai vu un ou deux comme ça à Marseille. J'appelle ça des cafalots. Jordan Fritz Fridge et Nicole Bloom. Inconnu au bataillon aussi. Melikin et Martin et Lignol et Dititi. Connais pas, pas connu par Bob Le Gob. Pas connu. Très jolie lampe, par contre. C'est un projecteur. Ah, oh, c'est génial. Le film Super 8, j'adore ça. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le monde. Vous noterez ce rebondissement d'idées qui nous amène au film Super 8 de Steven Spielberg. Merci de recevoir Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Ce qui est complètement con. Hein, thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Oh, salut, je suis une nouvelle bonasse. Les hommes ont fouillé le terrain, mais Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. C'est pas celle qui joue dans Heroes. Tu joues pas dans Heroes. Je m'en fous, elle régénère. Si c'est elle que je joue, c'est Izzy, elle régénère tout le temps. On peut pas la tuer. Ok. salut à tous, amis et fans. Ah bah, toi, t'as vraiment l'air d'un gland. De tous vous retrouver cette année. Mais c'est pas l'acteur qui joue dans Mister Robot, il a des gros yeux comme dans l'acteur de Mister Robot. Il y a plein d'acteurs connus que je connais pas, c'est génial. De Blackwood. Ah bah alors lui, on sait pourquoi il est pas connu, parce qu'il joue comme un clown. En fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Très bien. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi. Non, alors moi j'en ai rien à péter parce que de base, monsieur, je ne vous connais pas. Je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément. Il a une bouche bizarre. Ça. Et je... Il a une petite bouche bizarre. Des bouches, il... Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchés si nous voyions tous réunis on dirait une bouche de poisson pour leur rendre hommage. Comme ça. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. Des gros yeux globuleux. T'as vu les yeux qui sortent comme ça. Regarde de loin. Des moments inoubliables. Et... Mais je le fais pour mes sœurs. Très bien. Vous voyez. Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok. Super, ça me donne une bonne idée. Je sais pas ce que c'est ce téléphone, mais il a l'air cool. J'ai envie de mettre les doigts dans les narines. Vous avez pas envie, parce qu'elle a des narines... Ah, t'as pas envie de... Ah ouais, parce que les narines... T'as juste comme ça, des... J'ai jamais vu des narines aussi bien faites. J'ai envie d'aller là, comme ça là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans tes narines, chérie? Grosse narine excitante, hein. Cette voiture, c'était un camion. On se barre, c'est bien aussi. Ah, Memento Memory Teaser jusqu'à l'homme. Je suis largué au milieu de nulle part comme ça. Tiens, mais j'aime le. J'aime... Ah ouais. Super, ça a l'air.
Franchement, c'était une bonne idée de s'arrêter ici. Bon, alors, c'est un petit peu le trip chaperon rouge là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Meilleure amie d'Anna, bienveillante, audacieuse. Et bonasse. N'oublions pas le bonasse. Eh oh! Toi, je vais t'appeler Crème Fraîche. C'est marrant parce que c'est le même nom que sur le chat. Tu disais, elle a l'air aussi conne que Crème Fraîche. C'est toi, t'es Crème Fraîche. La même. Hello? What's happened here? Je me déplace plus vite en appuyant sur L1, je crois, ou je ne sais pas trop quoi. Là, je me déplace plus vite, là. R, utilisez le tout droit. Pour déplacer la caméra. Ben voilà, je la déplace. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Enfin, le champ de la caméra, il est limité quand même. Hein. Et là, vous trouvez que je vais plus vite quand j'appuie sur Alon? Putain, mais on peut pas courir à ce jeu. C'est un jeu où on court pas. Après, je vois plein de trucs qui brillent là-bas. Bougez pour regarder. Hein? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Oula! Honnête, carital, drôle, gossesse, d'assiette, affinité! Ah putain, bah, ok. Alors attends. Oh mais putain! Oh mais putain! Fais chier! Fais chier, il faut que je monte par-dessus le portail. Allez, c'est parti! Mais non! Putain, ça fait chier cette histoire. Allez! Yeah! Ça marche pas! Ok, faut que je monte sur le portail. Enfin, je vais passer par là, ça m'a l'air une bonne idée là. Est-ce qu'elle est dating? Rapide ou prudent? Rapide, bien entendu. Bob le gomesque. Oula, 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 wow. Je me suis fait bobo. Rapide ou prudent? Rapide. Yes. Je suis trop fort, c'est easy pour moi. Sauter ou grimper? Sauter. Je me suis trompé, de bouton, c'est con, c'est con parce qu'on va y passer la journée. Rapide ou prudent? Putain, ça me rend fou les QTE de merde! Rapide ou prudent? Rapide! Sauter ou ligner? Sauter, vas-y, saute. Allez! Toi, t'es une petite ninja, toi, hein? Tout ça pour aller faire une fête moisie, quoi. Je vais te tuer, toi. Tu mets une... Hey, crème fraîche, tu vas crever. Qu'est-ce qu'elle est nulle, cette crème fraîche. Allez, descends. Descends, crème fraîche. Hey, agile, crème fraîche. Il y a plein de choses à aller voir. Je m'appelle crème fraîche et je vais dans la vie. Oh, le petit écureuil est trop mignon d'amour. Oh, le... Oh, merde. Hé, n'aie pas peur. Oh, n'aie pas c'est peur. Bien. Le petit écureuil est trop beau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et elle revient. Maintenez la manette le plus stable. Oh, merde. N'aie pas peur. C'est bien. Allez. Je bouge pas. Faut pas bouger pour que l'écureuil. Oh, il est trop mignon. Et devinez qui j'imite. Oh, il est trop beau l'écureuil, j'avais vu les petits animaux, tout ça, il est trop mignon. Putain, mais c'est trop chiant. Tout ça pour donner des noisettes à un putain d'écureuil de merde. Je vais rester bloqué ici des heures ou quoi? Oh, je bouge plus la manette. Maintenez la manette le plus stable possible. Voilà, elle peut pas être plus stable, je l'ai posée, alors... Il est trop mignon l'écureuil, comme il est beau. Oh, il est trop chaud. Bien sûr, tout le monde a des noisettes dans sa poche, hein. Elle, apparemment, elle en a. Elle est trop contente. J'ai posé la manette, ça me semblait plus sage. R1, si vous ne savez pas quoi faire. Bah, ça tombe bien, je sais pas quoi faire. Objectif, diriger le joueur vers la station du téléphérique. Ah, c'est bien ça. La 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 la. Rendons-nous dans les bois doucement. La 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 la. En pleine nuit, la la. La la la, c'est safe. Y a vraiment que. Tu vois? Tu vois, crème fraîche? Pourquoi la femme ne doit pas sortir de sa cuisine? Seule une putain de fémène
aurait l'idée géniale de sortir en pleine nuit dans un endroit paumé pour aller prendre un téléphérique. Mais alors, dans un endroit paumé en plus où on se pèle le cul, en plein hiver, en jupette sexy, histoire d'attirer le consanguin québécois canadien avec sa grosse hache et se faire douiller dans un coin. Aucun homme sensé ne fait ça. Mais bien encore, la jante masculine ne fait pas. Je dis ne fais pas ça, c'est débile. Il n'y a que toi pour prendre un putain de bus, en plus te faire arrêter au milieu de nulle part. Il n'y a qu'une femme pour faire ça. Jamais un homme ne fait ça. Jamais. C'est tellement débile qu'on ne le fait pas. Tu es conne, ma fille. Tu es conne. Tu mérites de crever comme une conne. D'ailleurs, ce qui va t'arriver. C'est fou d'être conne comme ça. Tu as ruiné le jeu. Il n'y a plus d'intérêt. Ah ben, s'il n'y a plus d'intérêt, barre-toi, Wenstang. Barre-toi. Il y en a d'autres, des chaînes. Achète-toi le jeu. Qu'est-ce que ça coule. La population indigène et les prophètes étaient les papillons. Les tribus qui les vivaient autrefois dans les montagnes étaient des papillons transportés dans les rêves. De la couleur des papillons dit que la nature de la prophétie. Papillon noir de la mort. Papillon rouge des dangers qui arrivent. Ok. D'accord. Papillon de la tragédie qui précise des tragédies. Papillon des conseils qui te donne des conseils qui te aident. Les papillons de la chance et les blancs qui les fait les rêves de la chance et des bonnes augures. Donc s'il est blanc, c'est mieux. Oh, oh, didacticiel. Vous découvrez des totems au cours de vos explorations. Ramassez ces totems. Après, vous découvrez le papillon. Très bien. Bah, je ramasse mon gros bout de bois et je le regarde. Pas du tout. Et je le regarde. Piu-piu. Quelqu'un caché derrière lorsque je verrai un piu-piu. R1, totem de conseil. Nouveau conseil. Lorsque l'oiseau se pose, quelqu'un est caché derrière. Lorsque l'oiseau se pose, quelqu'un est caché derrière. Retour, très bien. Le futur est incertain, la réalisation des prophéties ne sont pas tout à fait sûres. R1, appuyez sur R1 à tout moment pour voir le... Ok, d'accord. C'est bon. Et voilà, je suis arrivé ici. Ah, l'oiseau vient de décoller. L'oiseau! C'est celui-là, l'oiseau? Attends. Va vers là-bas, mongolienne. Oula! The past is beyond our control. Le passé est en dehors de notre contrôle. Très bien. Très bien. C'est évident puisque c'est passé, donc on ne peut rien y faire. Voilà, bonne journée. Allez, à plus, bande de guignols. Chris? Est-ce que t'es là? Ah oui! Avouez qu'il n'y a qu'une femme pour faire ça, non mais sans déconner. Chris, tu comprends pas? Je me sens seule! Qu'est-ce qu'elle conne? Oh, sac à dos. Ton sac est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même! Alors? Eh ben, regardez-moi ça. Alors là, on enchaîne hein, les incohérences de femmes fouillées. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. Chris ? Sam, t'as pu venir ? Ah, le béguin pour Ashley. Hey. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Ah, viens, très bien. C'est par là. J'arrive. Oh, où ? Juste à côté. Tu vas halluciner. C'est vrai, je vais halluciner. Alors, j'arrive de suite. Attends-moi, il y a un truc sur le mur, là. C'est quoi, ça? Indice découvert, avis de recherche. Milgrand Victor, sexe masculin, 1m88. Recherche de santé, criminel. Toute personne en possession d'informations doit le dire de suite parce qu'il est super dangereux. La police de motivation, blablabla, du juillet 1998. 1998, non, bah, sans déconner. C'est bon, on sait. Tada! Ça le fait, non? Quoi? Tada? Ouais! Quand même! T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Croquette.
D'accord. Ok, allons-y. Oh putain, faut que je tire. Moi, je suis foutu à la manette, je suis bidon. À Call of, je suis la pute de la game. Non. Oh là oh là là. Oh, c'est en inversé en plus. T'inquiète, tu auras pas de mort. Hein. Là là, c'est tout inversé. Pan, 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 pan. C'est où pour tirer? Eh, hey, pas mal, Bubble Gob. 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 Bon, bah, ce qui veut dire que quand il faudra tirer rapidement, on est tous morts, hein, je vous le dis de suite. Hein. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Exactement. Ah ouais, attends. Attends, en fait, faut que je me mette en face comme ça, non? Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Ok, je vais me faire l'écureuil. Oh, je vais me faire l'écureuil. Ah, je vais niquer l'écureuil, quoi. Ah, oh, ça, ça va la faire flipper, parce que tout à l'heure, on a nourri l'écureuil. Oh, je vais niquer l'écureuil. Tiens, l'écureuil, alors. Maintenant, tu fais-moi ta valise, hein, coquine. Maintenant que j'ai niqué l'écureuil. Mille. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Chris, t'es vraiment un con. Quoi? Ce pauvre petit était encore en vie il y a à peine 10 secondes. Oh, ça va, ah, les écureuils, c'est des rats avec une queue toute. Franchement, j'arrive pas. Oh, j'aime bien ça, tu es super. Putain, c'est que ça, dégage-le. C'est un corbeau. Merde, est-ce que ça va? J'ai niqué l'écureuil. Je l'ai défoncé. Et bien regarde, sûr que je nique l'écureuil, parce que comme tous les personnages qui sont là, ils sont là pour amuser Bubble Gob. J'ai kiffé à tuer l'écureuil, un enfoiré. Qu'est-ce que quoi? J'aime bien celui-là de perso. Je sens plus juteux, plus sanguin. Viens, on retire un coup au flingue, j'ai bien aimé. Hein. Et donc, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivé, tout m'est revenu en 2 secondes. Ah non, c'est rapide. J'adore tuer les écureuils en hiver avec ma carabine en pleine nuit. C'est un plaisir d'ici de t'abattre, petit rongeur. Et oui, c'est bon et ça fait pas peur. Il fallait une rime en heure, donc je voyais que peur. Ça doit être... Sinon, il y avait petit suceur ça, aussi. Bizarre. Oui, tu fais vraiment pas peur, espèce de petit suceur de noisette. Viens là, je vais te faire ta fête. Quel genre? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. Ah, c'est pas c'est cool. C'est flippant. Ça. Ouais. Allez, je vais ouvrir la porte, hein, parce que j'ai peur que ça fait. Clic-clac, moi j'ai la clé magique. Après toi. Oh, un vrai allez, passe, femme. Dépêche-toi. Ok, pour le moment, j'ai pas peur. Ah, c'est pour ça que je fais beaucoup de bruit avec ma bouche, comme ça, ça évite d'avoir peur. Bouge pas, chérie, hein. Tu regardes le soleil, moi je vais allumer le machin chouette. Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre? Le temps qu'il faut. Hôtel, c'est ça vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison, même en étant plat aux as. Ils sont pas si riches, ils ont acheté qu'une montagne. C'est vrai qu'ils sont pas si riches. Oula, what is it exactly? Intéressant, la piscine est vide. Hein? Hein, quoi? Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Intéressant, la maison est vide. J'aime pas trop ce petit son mochasse là. C'est quoi ce son glaucasse là? Mais là, je suis censé faire quoi? Mon dieu, mais je vais l'attendre longtemps ce truc! Mais non, pas du tout, Bubble Gob! Tu vas le temps qu'il faut pour faire une bonne post-pub! On fait une post-pub, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Chip Down. Je n'ai pas peur! Pas du tout! La peur ne m'étreint pas.